Notre collègue Fariba Adelka est prisonnière scientifique en Iran depuis 1000 jours. Elle a été condamnée à 5 ans de prison sur des motifs à la fois arbitraires et politiques. Elle avait été autorisée, il y a un peu plus d'un an, à retourner chez elle sous bracelet électronique et il y a une semaine, elle a été de nouveau emprisonnée pour ses travaux. Nous avons appris ça avec stupeur et colère. Toutes les communautés de Sciences Po demandent sa libération immédiate. En attendant, tous les mois, Sciences Po publiera par ses différents canaux les travaux de Fariba. Pour valoriser les travaux de Fariba, pour penser à et avec Fariba. Parce que son combat, c'est aussi le nôtre. Tant que Fariba ne sera pas de retour à Sciences Po, Sciences Po ne sera plus Sciences Po. Alors mobilisons-nous, mobilisez-vous pour Fariba, pour la liberté académique, pour la liberté de la recherche.